Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour prendre part au pré-synode de la médiature évangélique, organisée par le médiateur évangélique, l'évêque Ba Jonathan, grand leader et guide religieux évangélique, ont pris part le mercredi 27 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire à cet événement dont le thème était « Quel leader chrétien pour une Côte d'Ivoire nouvelle ?» Le ministère de réconciliation nous appartient. Ça nous ne fait pas. Et donc, ça sera un brassage vraiment très important pour rectifier toutes ces erreurs qui se sont, n'est-ce pas, établies durant toutes ces différentes années. Et vous allez voir qu'à partir de là, l'Église prendra une part très active dans le conseil des nations et surtout dans le développement de notre pays. Vous faites bien de tenir ce pré-synode à la fin de l'année et à la veille d'une nouvelle année. Mais surtout, moi, ce pré-synode-là résonne comme la conclusion de tout ce que vous avez pu faire durant toute cette année 2023. Et Dieu seul sait que vous avez fait beaucoup de choses et Dieu seul sait que nous avons ensemble fait beaucoup de choses. Il est important d'indiquer qu'une tournée nationale de sensibilisation avait été entreprise du 14 juillet au 20 septembre par la médiature en vue de prôner la paix, la cohésion sociale, le dialogue interreligieux et le règlement pacifique des crises et conflits.